Pour nous, l'enjeu du brief, il était très précis. Comment faire émerger une communication luxe au sein d'une zone commerciale multi-enseigne? Il a fallu proposer aux étudiants, le temps d'un échange de environ 2 heures, cette problématique pour pouvoir échanger avec eux et leur laisser finalement une semaine pour pouvoir répondre de façon très précise. Pour nous, l'intérêt de participer à cette Creative Week, c'était vraiment d'être confronté à des idées qui étaient un peu disruptives par rapport à ce que pouvaient nous proposer les agences. Et je dois dire qu'on n'a pas été déçus. On était face à des étudiants de première année, donc qui avaient finalement peu d'expérience, et pourtant leur rendu a vraiment été à la hauteur de ce que pouvaient nous proposer des agences professionnelles avec qui nous travaillons. On a eu 4 propositions, 4 groupes qui nous ont fait part d'idées qui étaient toutes vraiment très créatives. Ils sont doués parce que ils nous ont sorti de nos propres codes pour nous proposer des choses sur lesquelles on ne serait pas allé naturellement. Et même dans la forme de leur intervention, ils ont été super. Les gagnantes. Digne d'une agence avec laquelle on pourrait travailler demain. Bon, alors on les prend en stage, ces étudiants? Ouais, je pense qu'après la Creative Week, on a été séduits et convaincus. Hein, on peut se poser la question si on les prend en stage. Bon, on va leur faire passer l'offre en tout cas. Allez. On aura les bons profils. Ça marche. Allez.